Comment on va passer? Ça paye d'entrer ici. Pas d'entrée. Hop là. Alors, est-ce qu'on peut aller là-bas? Ça avait l'air d'être juste du décor, je crois. Enfin, je pense pas que je peux aller là-bas. Ouais, j'ai le trou. Bon, je descends là, je meurs, je pense, avec tous ces geysers. Ça c'est bizarre, j'ai l'impression que je peux aller là-bas. C'est un truc de dingue. Hop là, bon, on va vérifier une dernière fois que je peux pas aller là-bas. Ah, c'est totalement triste puisque j'ai l'impression qu'il y avait un truc quoi. Enfin, regardez ici, ce que je vois si. Il va y avoir tout un truc ici, mais est-ce que je ne peux pas y aller parce que ça sera la mission d'après ou pas? D'accord, ouais. Non, je peux pas y aller et ils veulent pas que j'y aille. J'ai un mur invisible. J'ai tout fait, on se casse. J'adore le volant de mon van, sérieux, il est explosé sa mère.
Ah bah ça commence bien, on va déjà me trouver le cul. What? Ok, d'accord, je prends un one shot. Hop là. Je sais qu'il y en a un autre en vie là. Oui, bien sûr, bloqué par des barrières. Mais génial. Putain, non mais ce jeu, ça me saoule ça par exemple de pas pouvoir sauter juste au-dessus d'un petit truc de 5 cm quoi. Et du coup je suis bloqué, je me prends une dynamite dans la gueule. Ces mecs. C'est bon, t'as gagné. C'était pas mon jour. Attention, Sakina, vous voulez taper Yoru?
What the fuck? Ah là là. J'ai l'impression que le jeu est en train de me one-shot exprès. Est-ce qu'il a un lance-grenade? C'est quoi ces mecs sérieux? À mon avis, je crois que c'est pour une mission ça, parce que... Lancer des projectiles automatiquement pile sur ma gueule. Non, je crois que ça va être dans la mission. Petit mot à voir encore. On va voir, quand je retournerai au train, on s'arrêtera ici. Attends, le chapitre quand même de la Caspienne, il est long. Un croisement. Ah, pas dans la marque qui pue là, hop là. Ensuite à droite, il y aurait un truc.
Ok, en face et une montagne avec une base. On va voir ça de plus près. D'accord. Et la voiture. Hop là, alors qu'est-ce que j'ai trouvé? Non, sans deck. Comment ça, j'ai pas de médoc et j'ai pas de lampe torche en plus. Thank you.
Ah là là. Putain, je peux pas passer, mais la lampe torche, elle marche pas. C'est incroyable. Ah bah génial, avec une lampe torche qui marche pas, on va aller bien loin. On va taper un rush, hein. Là. Ça s'est passé si vite. On n'a même pas eu le temps d'arrêter le déchargement. La tempête était pas méchante au départ, mais le vent a forci. Il manque un peu. Oh, on a commencé à rajouter de la mare, mais la pas très vite. Le plein est revenu. À part ce foutu baron. Putain, tire pas, mec! Alors qu'on courait partout pour éviter les dégâts. Une seconde. T'es un des nouveaux venus, ceux qui ont un train? Alors entre. Tu veux pas ranger cet arbre? Les araignées viendront jamais ici. T'en fais pas. Merci, mon gars. Y a vraiment pas besoin de sortir son arme. Allez, c'est bon. Ça me rend vraiment nerveux. Range ce truc, mec. Si tu rangeais cette arme, hein, y a pas d'ennemis dans le coin. Merci. C'est gentil. Je disais quoi, déjà? Ah, ça. Alors entre, fais comme chez toi, mon frère. Ah, j'ai pas beaucoup de visites avec toutes ces araignées. Elles ont déjà mis en pièces une bonne partie des larbins du baron. T'as de la chance d'être arrivé jusqu'ici en un seul morceau. Quand j'ai fui le gang, je me suis caché ici à regarder ces bestioles pendant des heures. J'ai cru que j'allais y rester, mais en fait, elles ont peur de la lumière. Du coup, je me suis installé. Je gagne ma vie en récupérant le matos de ces abrutis qui se font avoir par ces bestioles. Ils n'en ont plus besoin. Le reste du temps, j'écoute la radio. Du coup, je suis au courant de tout ce qui se passe dans les paras. Ces bandits racontent tout à la radio. Ils sont tranquilles, personne va les espionner. Les esclaves n'ont pas de radio. Donc, dès qu'ils ont repéré votre train, le baron a mis tous ses hommes en alerte. Il croit que vous venez le buter. Va savoir si ce baron a pas une case en moins. Selon moi, c'est un grand malade, pur complexe de persécution. Et ses délires de grandeur. Bon, au final, quelqu'un a bien fini par venir pour lui faire la peau. Et avec style en plus, à bord d'un putain de train. Ok, il avait raison d'être parano. Mais pourquoi vous arrêtez à la station? En poussant jusqu'à la porte du château, il serait foutu.
Mais le baron pense pas de façon logique. C'est un être trop supérieur pour ça. C'est bien ce qui causera sa perte au final, à mon avis. Ceci étant dit, si tu nous débarrasses de cet enfoiré de baron, tout le désert t'en remerciera jusqu'à la fin des temps. Et moi aussi, d'ailleurs. Bon, j'arrête de radoter. Je te laisse te reposer. Prends l'établi, si tu veux. Bref, en clair, fais comme chez toi. Hein. Surveille la radio pendant ce temps-là. Ok, donc je sais pas si c'était fait exprès que j'ai pas réussi à allumer ma lampe torche dans la salle des araignées, mais bon. Les araignées viendront jamais ici. T'en fais pas. D'un serpent. Mon frère, c'est gentil de passer. J'en étais où? Saul et sa voiture ont disparu. C'était pas n'importe quel abruti, ce mec. Et sa voiture, c'était pas rien non plus. Cadeau du baron, en fait, pour bons et loyaux services. Et le baron fait pas de cadeaux sans raison. Faut les mériter. Maintenant, on sait à qui la faute. Et nouveaux arrivants. Ils en ont après le baron, c'est sûr. Mais ils ont décidé de commencer par Saul. Ils ont sûrement une bonne raison. Ce que je veux dire, c'est, si par hasard t'as cette bagnole, méfie-toi, tous les bandits la connaissent. Et s'ils voient que c'est toi au volant, ils vont pas hésiter à te tirer dessus. Hein. Moi, je pense qu'il a eu que ce qu'il méritait, Saul. C'est le même genre d'enfoiré que le baron, sauf que c'est un minable. Merci, mon gars. Il y a vraiment pas besoin de sortir son arme. Je me suis arrêté où? Ah! Ça me revient. Moi, je pense qu'il a eu que ce qu'il méritait. C'est le même genre d'enfoiré que le baron, sauf que c'est un minable. On le récupérera un autre jour. Hein.